faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Me voir à Colombo et après Colombo à Gatch a été porté dans l'équipe qui m'a défendu pendant ces 10 ans à La Haye. Je les connais tous. Donc, chers maîtres, je vous remercie de votre présence. Camarades dirigeants du parti et puis militants de tous les partis, cette assemblée comme je l'ai souhaité, c'est-à-dire que en prison, il n'y a pas de catégorie. En prison, il n'y a pas de parti politique. On est tous soumis au même problème. Moi, je crois que la place d'un homme politique n'est pas en prison. Quand on regarde les pays développés, les hommes politiques ne sont pas plus vertueux qu'en Afrique. Mais c'est en Afrique qu'on met les hommes politiques en prison, toujours. Alors qu'en Europe, il y en a même des célèbres qui sont devant les tribunaux, qui sont prêts à venir mettre les hommes politiques africains en prison. Mais eux, ils vont de sursis en sursis. Parce que les Européens respectent leurs dirigeants. Je vous salue, mesdames. J'ai voulu aller rendre visite à vos maris, à tous vos maris. Le ministre de la Justice a répondu que ce n'était pas possible. C'est pourquoi je vous appelle ici en lot de consolation pour essayer de vous consoler un peu. Sinon, on connaît la solution à vos problèmes, c'est la libération de vos époux. C'est la seule solution. Donc, quand l'occasion m'a été donnée de rencontrer le président Ouattara, je lui ai posé un seul problème. La libération des prisonniers. Il ne m'a pas dit non. Mais il ne m'a pas dit oui. Non, mais il ne m'a pas dit non
parce qu'il a dit qu'il allait étudier ça. Mais que pour le moment, il était en train d'étudier le cas de ceux qui avaient été arrêtés au moment des élections de 2020. Bon. Et que... Il pense que pour cette fête de l'indépendance qui arrive dans quelques jours, ce serait peut-être trop tôt, mais il va faire tous les efforts pour les libérer le plus tôt possible. Mais la réponse qui m'a été faite, et je vous la transmets telle qu'elle. On est obligé de s'accrocher à cette réponse. Et de prier pour que nos frères, nos amis, nos camarades, nos époux soient libérés. Que vous avez découvert Ivoire TV.